Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Défi des 28 jours, saison 2. Mon nom est Ludovic Bezeron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous expliquer comment gérer ces angoisses. Alors comme tout le monde, il m'arrive d'être angoissé par rapport à une situation, une facture imprévue, un avis de lettre recommandé dans ma boîte aux lettres, une convocation au commissariat de police, ou pourquoi pas quelques informations par téléphone qui me provoquent chez moi pas mal de stress. Bref, tout cela se transforme en angoisse. Alors, comment gérer mes angoisses? Voici le premier conseil. Je vous invite à prendre du recul face à la situation, c'est-à-dire de vous écarter face à cette situation qui peut assez rapidement créer des inquiétudes chez vous. Ensuite, respirez profondément pour détendre le corps, mais également détendre l'esprit. Essayez de se relaxer. Troisième point, se poser la question suivante. Qu'est-ce qui est le pire pour moi face à cette situation? En somme, que peut-il m'arriver de pire? La réponse est souvent minimisée. Quatrième point, relativiser, car souvent on s'inquiète pour peu de choses. Et cela a des résultats néfastes sur nous. Enfin, chassez les pensées négatives qui encombrent votre esprit par des pensées positives. Car la bonne nouvelle à tout cela, c'est que notre cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois. Conclusion, c'est l'idée que l'on se fait des choses qui nous rend heureux ou malheureux, ce ne sont pas les événements que nous vivons. Alors, comment gérer ces angoisses? Détendez-vous.